était à la 7e défaite du Stade Toulousain en 20 journées de championnat. C'est plus que tout au long de la saison dernière. Toujours ses efforts en mêlée. Toulouse, hein. Avec départ de Chris Mazoé, Wilkinson pour Rudi Wulff. Il va y aller, il va éclairer l'essai. Voilà pour conclure en beauté ce match de Toulon. L'essai de Rudi Wulff à la dernière seconde. Ils peuvent exulter les Toulonnais parce que ça a été compliqué pour eux, mais grâce au pied, à la lucidité de Wilkinson, à la manière d'un Lionel Boxis en première mi-temps, qui a inscrit les drops, qui les a fait sortir d'une zone de pression importante. Ils viennent là de terrasser les Toulousains avec cet essai inscrit après un bon travail de leurs avants. Le rugby club toulonnais va ce soir récupérer la tête du top 14 que lui avait chippé momentanément Clermont. Toulon-Clermont, ce sera ce fameux match au Vélodrome qui décidera peut-être de l'équipe qui terminera première et qui pourra, petit avantage, choisir le jour de sa demi-finale. Conciliabule décontractée entre Mourad Boudjelal et Guy Noves. Et la transformation du bord de touche de Johnny Wilkinson. Les Toulousains regroupés dans l'embute, serré. Il va se mettre le luxe de la mettre. Ça passe. 35-16. Score final. Et victoire de Toulon qui redevient ce soir leader du top 14. Sacré match. Sacré match, sacrée intensité, sacré combat aussi. Et on a vu que du côté de Guy Noves, on avait cherché en utilisant ce banc à vaincre les Toulonnais. Ils sont parvenus, il faut le dire quand même, à les faire douter. Mais c'est vrai que Wilkinson est parvenu à les maintenir à flot et à faire basculer cette rencontre.